1978, à l'issue d'une tonnée de conférences de 71 interventions au Canada et en partie aux États-Unis, j'ai rencontré Alan Hynek, le fameux astronome décédé depuis, américain, qui enseignait dans la Northwestern University et qui était le numéro un d'ufologie mondiale. Alan m'a fait un cadeau. C'est cet agrandissement de la cabine Apollo 11 que vous voyez derrière moi. Cela pour nous amener peu à peu aux États-Unis, où, bon, bien sûr, il y a davantage d'observations d'OVNI parce que c'est un territoire immense. Mais bien que la censure existe aux États-Unis comme partout ailleurs sur la Terre, paradoxalement, l'information y est plus libre. Et nous allons nous en rendre compte au cours de cette vidéocassette. Bien sûr, aux États-Unis aussi, de nombreuses personnes se moquent des ovnis. Mais il faut savoir, il règne là-bas tout de même une grande tolérance. Quand nous sommes allés à Richmond, en Virginie, un soir, nous nous sommes rendus dans un bookstore, c'est-à-dire une très grande librairie, pas spécialisée. Mais nous avons vu à quel point le public américain a l'intelligence de se passionner pour tout ce qui touche aux choses étranges, mystérieuses, et en particulier le domaine des ovnis. Nous avons vu des étalages, des rayonnages extraordinaires qui feraient rêver le plus blasé des ufologues français. C'est pourquoi aussi aux États-Unis existe la plus importante organisation, le MUFON. Donc à Richmond en Virginie, nous sommes rendus au congrès annuel du MUFON où nous avons rencontré quantité de personnalités extraordinaires. En France, le MUFON n'est pas connu. Pourriez-vous nous le présenter ? Oui, je suis le directeur international du réseau mutuel OVNI, dont les initiales sont MUFON, M-U-F-O-N. Nous sommes la plus grande organisation OVNI au monde. Nous couvrons toute la planète. Aux États-Unis, nous avons un directeur pour chaque État et nous divisons chaque État dans un groupe de comtés où des directeurs de sections supervisent les enquêtes sur les OVNI dans leur secteur. C'est ainsi que nous obtenons nos données brutes qui deviendront nos rapports et nos études. Nous avons environ 167 consultants qui sont titulaires d'un doctorat. Ce sont des docteurs en médecine, des psychiatres et même des vétérinaires, des chirurgiens et autres. Nous avons également plus de 200 personnes qui sont titulaires de maîtrise, que nous appelons des chercheurs spécialisés, afin de couvrir un vaste champ de compétences. Parce que l'ufologie, d'un point de vue scientifique, aborde de nombreux domaines. Nous avons découvert que 80 à 90% de nos données brutes s'avéraient être quelque chose de banal pouvant être expliqué. Le plus souvent, il s'agit de débris venant de l'espace ou de la planète Vénus, ou bien la Lune vue sous des conditions inhabituelles, des choses naturelles, des avions publicitaires, et ainsi de suite. Mais 10 à 20% défient toute explication. C'est ce que nous appelons les ovnis et c'est ce qui nous intéresse. Parmi ces cas résistants à toute explication, nous allons citer bien sûr celui de Gulf Breeze, qui est un golfe près de Pensacola, en Floride. Et là, nous allons constater que les autorités font un blackout particulier parce qu'elles sont directement impliquées. C'est Donald Ware, un remarquable ufologue américain, qui va nous en parler. Depuis ma retraite de l'armée de l'air américaine, je suis ufologue et j'ai vu des ovnis, 7 fois dans la région de Gulf Breeze et Pensacola.
C'était des observations d'OVNI du type lumière rouge, parfois des lumières blanches. Ce ne sont pas des observations rapprochées comme Ed Walters a pu le photographier. Sur 18 observations photographiques, il a pu prendre 41 bonnes photos d'engins extraterrestres. Sur deux des photos, l'OVNI évoluait à environ un mètre du sol. Il y a eu beaucoup de cas ? Et combien ? Je pense environ 600 pendant les 4 ou 5 dernières années pour cette région. Notre équipe de recherche, pour une période de 18 mois, a répertorié des observations d'OVNI 175 fois. Ils se montraient alors 3 fois par semaine. Nous avons des éléments récents comme quoi on a forcé un vaisseau spatial à descendre sur la plage. Ceci à environ une vingtaine de kilomètres de ma maison, sur une partie de la base aérienne d'England. Toutes les créatures extraterrestres à bord du vaisseau furent capturées par des gens du gouvernement américain. Sur la plage de la base aérienne d'England, il y a ce que j'appelle un dispositif d'impulsion électromagnétique dirigé. J'ai eu cette appellation confirmée par la personne qui a dit avoir fait des schémas pour la compagnie qui l'avait construit. C'est omnidirectionnel. Vous pouvez le pointer dans la direction que vous voulez. Cela va générer un rayon d'énergie électromagnétique qui, d'après mon expérience militaire, a des effets dévastateurs sur tout ce qui est électronique. À un très bas niveau, cela peut être utilisé pour tester la résistance électromagnétique d'équipements de guerre électronique. Peut-être pour tester des avions qui ont été électroniquement protégés contre ce genre d'impulsion. Ou bien, si vous augmentez la puissance, cela peut causer la défaillance des systèmes électroniques sur des avions ou bien sur des véhicules extraterrestres. C'est peut-être cela qui a fait descendre cette chose. Le véhicule a alors été transféré à la station aérienne navale de Pensacola. Les chefs d'état-major de l'armée américaine se sont rencontrés à la station navale aérienne de Pensacola le 21 août 1988. Ils ont visité un hangar qui était sous haute surveillance, équipé d'air conditionné depuis plusieurs semaines avant cela. Nous n'avons pas de preuves, mais nous avons beaucoup d'éléments circonstanciés comme quoi c'est ce qui est arrivé. Le cas de Gulf Breeze aux États-Unis est parfaitement connu, mais ce n'est pas vrai pour nous en Europe. Aux États-Unis, il faut le dire, l'information circule. Il y a une production énorme d'ouvrages sur l'ufologie, nous nous en sommes rendus compte, au congrès du MUFON à Richmond, à Virginie, avec l'abondance des stands qui proposaient des livres neufs, bien sûr, des nouveautés, mais aussi de très vieux bouquins. Et j'ai eu la surprise de trouver la traduction de mon bouquin « Les soucoupes volantes viennent de notre monde », un documentaire, qui est paru en 1954 en France, mais la traduction anglaise a été publiée en 1956. C'était une pièce de musée. En dehors des ouvrages, documentaires et autres, il y a un envahissement de gadgets touchant directement ou indirectement l'ufologie, les t-shirts, des autocollants de diverses sortes. Et puis il y a des porte-clés, il y a des ceinturons. Vous voyez même ici un petit gris, un short grease. Ce n'est pas du mercantilisme, c'est entré dans les mœurs. Il y a une chose, par exemple, qui n'est pas du tout divulguée en France. Bien des ufologues même rigolent comme des imbéciles. Ce sont les jeunes femmes qui sont enlevées, qui sont inséminées, qui sont, disons-le, des sortes de mères porteuses, puisqu'au troisième mois de leur grossesse, elles subissent l'extraction du fœtus. Et c'est dramatiquement vrai. C'est un fait maintenant qu'ils enlèvent des hommes et des femmes afin d'utiliser leurs ovules et spermatozoïdes pour inséminer des femmes. Alors, elles sont enceintes pour environ 2 à 3 mois et durant la nuit, le fœtus est enlevé et emmené quelque part. Nous ne savons pas où. Ils les placent dans des cages en verre. Il y en a des murs entiers.
Et là, le bébé est amené à maturité. Je connais personnellement 64 personnes qui ont été à bord de véhicules extraterrestres. Et la plupart d'entre elles ont pris part à un programme d'hybridation. Je connais une dame près de chez moi qui a été enceinte 8 fois. Elle n'a qu'un seul enfant. Pour ce premier enfant, le docteur a dit avoir entendu 3 battements de cœur. Alors, ils ont utilisé l'échographie qui a montré 3 fœtus. Mais il n'y a eu qu'une seule naissance. Elle a été enceinte 7 fois après cela, et les fœtus ont disparu sans fausse couche à chaque fois. Alors, les ouvrages chez nous sont assez rares dans ce domaine. C'est vrai aussi pour l'audiovisuel. Mais justement, grâce à la Fox Video, nous disposons en France d'une vidéocassette extraordinaire, Intruders, d'après l'ouvrage de Bud Hopkins. Mais Intruders, c'est extraordinaire, c'est une sorte de fiction, mais basée sur des faits dramatiquement réels et terrifiants. Tiré de récits authentiques. Arrêtez les recherches, il faut que vous m'aidiez. Ils viennent me chercher, aidez-moi, j'ai si peur. Maman, ils me font mal. Ce qu'ils m'ont fait, ils le referont. La menace est réelle. Les envahisseurs sont là. Et ils ont des projets pour vous. Il faut dire qui est Bud Hopkins. C'est un sculpteur de talent, mais qui a un violondin qui est devenu une spécialité. Il est devenu hypnotiseur, un hypnotiseur remarquable, extrêmement humain, qui jamais ne suggère des réponses, mais pose des interrogations. Et il est devenu, de par cette spécialité, le numéro un, le spécialiste des abductions, en français on dirait des enlèvements, avec insémination artificielle chez les femmes de notre planète. Il y a des cas où les gens sont enlevés à l'hôpital alors qu'ils n'ont que 2 ou 3 jours. Mais disons qu'ils ont plutôt 5 ou 6 ans, peu importe. Ils sont enlevés, puis à nouveau enlevés coup sur coup. C'est comme s'ils étaient des animaux marqués pour une étude de la race humaine. L'intérêt de ceux qui sont dans les ovnis est très clairement exprimé dans le film. Il se focalise sur ce qui est génétique et reproduction. Des échantillons de sperme et d'ovules sont prélevés sur les hommes et les femmes. La personne est enlevée plusieurs fois. Dans le cas d'une femme, le plus souvent, celle-ci est enlevée et inséminée. C'est ce qui est arrivé à Kathy Davis et qui a inspiré le film Intruders. Ce qui ressort sous hypnose, et même parfois des souvenirs qui reviennent naturellement, c'est que la femme est à nouveau enlevée et que le fœtus en développement est retiré. Parfois, elle peut se rappeler un enlèvement précédent où elle est inséminée artificiellement par une sorte d'instrument. Il ne s'agit pas d'un procédé ou d'une chose sexuelle au sens où nous comprenons le sexe. C'est mécanique et clinique. Donc, elle est réenlevée, le fœtus est retiré et la personne n'est plus enceinte. Et ceci, bien qu'il y ait eu des échographies du bébé et tous les signes de grossesse. Elle est alors réenlevée et on lui montre un petit bébé. Ce bébé a des caractéristiques très étranges, moitié humain, moitié extraterrestre. Extraterrestre, vous voulez dire les gris ? Oui, les gris. Les occupants des ovnis ont de très grands yeux, une très grande tête et un corps très chétif. S'ils ont des cheveux, il s'agit des hybrides. Les cheveux sont très fins, blancs et ne couvrent pas toute la tête.
La personne est donc réenlevée et on lui demande de tenir le bébé. Et c'est comme si les extraterrestres pensaient qu'il y a quelque chose de magique dans le contact humain, dans le contact avec une mère. Il y a même des cas où ce sont des hommes qui sont enlevés, comme s'ils avaient contribué à la naissance de cet enfant et où on leur demande de prendre ces enfants. Maintenant, tout ceci a l'air complètement fou et je l'admets. Mais quand vous avez des centaines, voire même des milliers de cas, vous êtes forcé de prendre tout cela avec sérieux. Alors Bud Hopkins a voulu aller plus loin. Il a imaginé un sondage, élaboré d'ailleurs avec un institut de sondage, pour savoir combien de personnes et de quelle manière des personnes pouvaient avoir été victimes de ce qu'on appelle des enlèvements. Alors je vais donc vous lire minutieusement ces cinq questions. Avez-vous disparu une heure ou plus sans souvenir de ce qui s'est passé? Vous êtes-vous réveillé paralysé, sans pouvoir bouger pendant plusieurs minutes, ou en ayant le sentiment d'une présence dans la pièce? Avez-vous vu des boules de lumière dans cette pièce, sans explication? Avez-vous relevé des marques particulières, inexpliquées, sur votre corps? Avez-vous eu le sentiment de voler ou d'avoir été transporté dans les airs? Bud Hopkins nous livre des réponses surprenantes. Avec le groupe d'études, nous nous sommes dit que seules les personnes qui ont répondu oui à 4 des 5 questions auraient eu la possibilité d'avoir été enlevées sans s'en souvenir. Vous ne dites oui qu'à une seule question et vous n'êtes pas retenu. Mais les gens qui ont répondu oui à 4 des 5 questions totalise 2% de la population, ce qui fait une personne sur 50. Et si la population des États-Unis est de 250 millions de personnes, alors nous avons affaire à un très grand nombre d'enlevés. Alors 2% de 250 millions d'habitants aux États-Unis, cela fait 5 millions de personnes, 5 millions d'Américains qui ont été, ou disons qui auraient été, mais moi je pense, qui ont été enlevés par ces êtres. Ces êtres qui, à l'échelle planétaire maintenant, parce qu'il n'y a pas que les Américains, on commence à avoir en France des activités de gris. Par exemple, non pas celui-là, négligeons celui-là, mais celui-ci a sévi quelque part dans l'est de la France. Il n'y a pas tellement longtemps. Et cette enquête, nous sommes en train de la mener. Alors, pour en revenir à ce phénomène mondial, nous ne connaissons pas exactement les intentions des gris. Oh, bien sûr, assimilation, mutilation. Mais les autorités se taisent. Je le répète, c'est le blackout. Alors, il faut aller plus loin et écouter ceux qui ont fait des constatations, ceux qui ont enquêté, ceux qui savent. Ce qu'ils obtiennent la première fois est à moitié humain et à moitié extraterrestre. Donc leurs enfants feront plus qu'un mètre à 1,20 m. Ils pourront atteindre la taille d'1,50 m. En croisant ainsi de suite, et ceci pendant des années, ils créent une nouvelle espèce qui a de l'endurance et de la force. Parce que s'ils ne font pas ça, ils vont disparaître, ils n'existeront plus. Je pense que c'est leur méthode pour garder leur espèce en vie. Je pense que la principale raison pour qu'il y ait un silence des gouvernements est la suivante. Supposons que le président de la République annonce ceci. Mesdames et messieurs, les extraterrestres sont présents dans notre environnement, nous ne pouvons rien y faire. Ils peuvent surpasser en vol tout ce que nous avons. Ils enlèvent des Français, des hommes, des femmes et des enfants la nuit. Ils ramènent ces personnes en effaçant leur mémoire et en les utilisant pour faire des expériences. Nous ne pouvons rien y faire. Pour couronner le tout, nous ne savons pas où tout cela doit aboutir. Nous ne savons pas finalement s'ils se montreront amicaux ou non. Je vous ferai savoir quand nous en saurons plus. Merci et bonne nuit. Je pense que ce serait la panique.
Et aucun gouvernement, François Mitterrand ou un autre, ne prendra les devants pour avouer une telle faiblesse. Nous sommes prisonniers. Oui, c'est entre leurs mains. Il n'y a rien que nous puissions faire. Maintenant, et c'est très important, je ne les vois pas comme des ennemis qui nous malmèneraient de façon délibérée. Ils n'ont pas l'air de faire ça. Ce ne sont pas des amis qui nous aident non plus. Ils sont ici pour leur raison. Il est malheureusement difficile, sinon impossible, d'en savoir davantage sur le comportement, sur les motivations des extraterrestres en raison de la censure du blackout appliquée par les gouvernements, tous les gouvernements. C'est pourquoi un groupe de gens courageux aux États-Unis ont créé Operation Right to Know, opération droit de savoir, sous-entendu, voir la fin du secret sur les ovnis et les extraterrestres. Et parmi les fondateurs de ce mouvement se trouve Ed Comerick. Opération Droit de Savoir est une organisation internationale que nous avons créée pour obtenir des gouvernements du monde entier la divulgation des secrets concernant les ovnis. À l'heure actuelle, nous sommes principalement aux États-Unis, mais nous nous sommes déjà établis dans d'autres pays comme l'Argentine et nous commençons à nous établir dans d'autres pays d'Europe. Le 5 juillet, vous allez manifester à Washington devant la Maison Blanche. Allez-vous rassembler beaucoup de monde ? Ceci est en fait notre deuxième manifestation. Lors de la première, nous n'étions que deux. Et lorsque nous sommes allés à Washington, de plus en plus de gens nous ont rejoints. Maintenant, nous avons une organisation avec des membres. Une lettre d'information et avec la couverture médiatique dont nous avons disposé, nous n'avons en fait aucune idée de combien nous serons. Nous avons prévu de 50 à 100 personnes, mais nous pouvons être des centaines. L'opération Droit de Savoir, Operation Right to Know aux États-Unis, a une vocation internationale. Nous avons rencontré là-bas le représentant de cette organisation en Argentine, mais Guillermo Aldonati, c'est son nom, n'a pas les mêmes coups franches que les Américains, ni peut-être nous en France, et il va nous parler des problèmes auxquels il a été confronté. Nous avons établi des projets pour faire une manifestation analogue à celle qui va avoir lieu lundi prochain à Washington. Mais nous avons eu certaines pressions, vous savez, cela venait des politiciens et de la police. Parce qu'ils disaient que si nous faisions ce genre de manifestation, cela voudrait dire que nous sommes fous, vous comprenez ? Le 5 juillet 1993, nous allons à Washington, la capitale fédérale des États-Unis, retrouver Operation Right to Know et sa manifestation devant la Maison Blanche. We're here to let the world know, and we're here to tell the government, no more lies. Nous nous retrouvons donc au parc Lafayette, où des intervenants vont se succéder avant la marche symbolique en face de la Maison Blanche. Hélène Douglas, vous êtes la fondatrice avec vos amis du mouvement Opération Droit de Savoir. Quel est votre programme ? Notre intention est de donner aux gens qui savent la vérité sur les ovnis le courage de rendre publiques leurs informations. Le Congrès reste en place, le gouvernement maintient son contrôle par le simple fait que les gens sont embarrassés et sont effrayés à l'idée d'être ridicules en faisant une déclaration publique.
Maintenant, une manifestation comme celle que nous avons faite aujourd'hui est le prototype d'une déclaration publique. Et nous allons être un exemple pour toutes les autres organisations OVNI. Nous disons, voyez, cela peut être fait, la presse est venue et ils ne se sont pas moqués de nous. Quand nous avons fait cela, nous avons passé un bon moment et vous devriez le faire, car c'est ainsi que nous en finirons avec cette dissimulation. Nous allons, après notre amie Hélène de Glace aux États-Unis, retrouver en France, on fait un petit saut comme ça, notre ami Claude Chapeau. Claude Chapeau, tu as eu une formation scientifique, tu as écrit des bouquins, et tu as créé en France, on le rend public aujourd'hui, non pas Operation Right to Know, puisque nous sommes en France, mais Opération Droit de Savoir, sous-entendu la levée sur le secret dont sont entourés tous les phénomènes OVNI, les extraterrestres, etc. Je pense qu'il faut avoir le plus de volontaires possible pour pouvoir créer cette association. Ensuite, il faut la développer. Et pour la développer, nous avons besoin du concours et de la télévision, des médias. Je pense que c'est comme ça que je vois les choses. Sinon, ce n'est pas possible. Il faut souligner que tu entends d'abord réunir autour de toi un nombre important de scientifiques. Tu as déjà des scientifiques. Il faut que les hommes de science, intelligents et honnêtes, qui n'ont pas peur de se commettre avec des gens comme Claude Chapeau, qui est quand même lui aussi un scientifique, et qui a le courage de secouer la poussière des interdits, pour dire, nous sommes confrontés à un phénomène dont on sait parfaitement qu'il s'agit d'engins matériels venus d'ailleurs, essayons d'aller un peu plus loin. Et nous avons pour cela besoin évidemment d'hommes de science. Oui, nous allons surtout nous occuper d'une partie médicale qui est très intéressante, qui va être, je pense, faite par mon neveu, qui est médecin biologiste et qui a travaillé à l'Institut Pasteur. Nous pensons, grâce à toutes les associations qui existent en Europe, avoir réuni le plus de patients possible qui auraient été enlevés, les Américains, les fameux abductis. Et ces patients, nous leur ferons des examens, toutes sortes d'examens, des examens biologiques, des examens radiologiques, et surtout par la psychiatrie, nous les mettrons sous hypnose, de manière à savoir exactement ce qu'ils ont vécu lorsqu'ils ont été enlevés. Voilà, je pense que c'est la chose la plus importante que nous devons réaliser ici en France et en Europe. Alors, nous allons donner l'adresse à laquelle le public va pouvoir écrire. Claude Chapeau, tu es la cheville ouvrière de cette organisation. Tu vas recevoir un morceau de courrier, alors évidemment, on n'est pas contre le fait de recevoir deux timbres pour la réponse, hein, parce que tout ça coûte cher. Je vais pas sortir une sébille pour faire la caisse, mais sous-entendu, si on peut aider cette organisation, eh bien, par avance, merci. Alors, c'est pas fini, parce que ce silence qui entoure le problème des officiels, leur volonté de faire le blackout, tient au fait que les autorités sont complices et impliquées directement dans ce cover-up, dans ce blackout, dans cette loi du silence. Et un de nos amis qui s'occupe de ce problème en Argentine va nous en parler. Maintenant, nous avons des gris, ces êtres gris. Les gris. Avez-vous des bases souterraines ? Nous avons des bases souterraines dans la ville de Victoria. C'est peut-être pourquoi on ne veut pas nous laisser expliquer aux gens ce qui se passe ici. Vous avez des enlèvements aussi ? Oui. Et des hommes et des femmes ? Oui, ils enlèvent des êtres humains comme des femmes et parfois aussi des petits garçons. Nous enquêtons là-dessus. Les bases extraterrestres sont planétaires, elles sont réparties partout de par le monde. Et nous avons vu qu'elles étaient protégées par leur enfouissement sous des bases militaires. C'est ainsi qu'aux États-Unis, par exemple, au sud-est de Washington, la fameuse baie de Chesapeake abrite certainement l'une de ces bases. Dans les régions en particulier, il y a la fameuse base de Norfolk. Pourquoi je dis fameuse ? Parce que, vous le savez, je suppose, c'est là que s'est déroulée, avec Philadelphie également, cette expérience étonnante
de ce navire des Eldridge qui a été rendu invisible, pensait-on, en 1943. Ce navire s'est dématérialisé de Philadelphie, s'est matérialisé à Norfolk, des témoins en attestent, il s'est de nouveau dématérialisé là pour revenir à Philadelphie à 640 km. Nous sommes allés à Norfolk, nous avons vu certaines installations, nous avons vu notamment sur les cartes, parce que ce n'est pas des panneaux touristiques qui l'indiquent, qu'il existe dans une zone au sud-sud-est de la baie de Chesapeake, une zone avec des perturbations magnétiques. Alors, est-ce que ces perturbations magnétiques sont liées à une base, comme il en existe une pas très loin de New York, où se déroule le Montauk Project, qui met en activité des manipulations temporelles. Et c'est fantastique. C'est un tout petit premier pas vers les manipulations du temps en tant que dimension temporelle, et donc des voyages dans le temps. Cet ouvrage est fantastique. Celui-ci aussi, où il est question, justement, de cette expérience de la Philadelphie Experience. Alors ces manipulations sur le temps et l'espace prouvent, je pense, une collusion avec une technologie supérieure à celle qui était la nôtre en 1943. Donc déjà, des contacts avec une puissance extraterrestre existaient. Nous n'aborderons pas ce domaine-là aujourd'hui, mais dans une prochaine vidéocassette consacrée au vortex. Alors le fait que ces expériences aient eu pour, comme l'un des pôles, Norfolk, renforce à mon avis la présence d'une base extraterrestre dans cette région. Pour en savoir plus sur les bases extraterrestres et leurs activités, dirigeons-nous vers le Nouveau-Mexique. Ici, à Albuquerque, grâce à Roger Rémy, qui est un scientifique de pointe et à l'esprit ouvert, nous avons pu rencontrer des ufologues qui nous ont confirmé les fortes activités OVNI de ce pays. Je n'ai jamais vu d'OVNI, mais beaucoup de mes amis ont eu des expériences et de bonnes observations. C'est ce que j'appellerais des observations sérieuses. Ce n'était pas seulement une étoile filante ou un avion ou quelque chose comme ça. Je pense qu'on a de fortes chances de voir un OVNI au Nouveau-Mexique. C'est une très bonne région. Pourquoi ici et pas au Manitoba ou au New Hampshire ou en d'autres États des États-Unis? Cela pourrait être dû aux bases militaires que nous avons ici et à tous les projets qui sont en cours à Los Alamos et White Sands. Je crois que cela peut représenter un intérêt pour les extraterrestres. Je pense qu'il y a des tunnels souterrains et je crois que les ovnis se déplacent à l'intérieur de ces tunnels. Ils doivent entrer dans ces tunnels en faisant une sorte de distorsion temporelle. Le temps est affecté par la gravitation. Si vous pouvez créer un champ gravitationnel très intense pour quelques secondes, alors vous pouvez changer l'espace-temps. Je pense qu'il est évident que ces créatures dans les ovnis ont de grandes connaissances en ce qui concerne l'espace. La physique newtonienne, la physique einsteinienne, la physique quantique et ainsi de suite. Ils en savent beaucoup et ils savent comment manipuler ces choses. Voici la raison pour avoir des tunnels. Si vous avez une base, de toute évidence, une base militaire comme Kirtland ou comme Los Alamos, celle-ci se trouve au milieu de régions habitées où il y a beaucoup de gens. Si vous avez des ovnis qui décollent et qui atterrissent de Los Alamos ou qui décollent et atterrissent de Kirtland, il est évident qu'un grand nombre de gens vont les voir. Pour être plus clandestin, pour être plus secret,
Vous volez dans les tunnels et vous sortez à un endroit où personne ne va y prêter attention. Je pense qu'il y a des tunnels qui vont du mont Arculeta à Los Alamos. Je pense aussi qu'il y a des tunnels dans d'autres endroits du Nouveau-Mexique. Peut-être qu'ils partent du VLA. Ce sont de très grandes antennes. Le Very Large Array est une installation de radiotélescope, une succession d'immenses coupoles, comme nous le voyons, qui utilise le principe de l'interférométrie. Megacity, justement, utilise ce Very Large Array. Megacity, dont on a dit qu'il faisait des recherches sur les communications extraterrestres, moi je veux bien. Il semble en réalité qu'il y ait là aussi, là-dessous, une notion d'étouffoir, minimiser le programme de recherche sur les ovnis pour monter Megacity. Paul Picard a d'ailleurs écrit un ouvrage remarquable sur le phénomène ovni, sur les recherches, et nous parle de ce Megacity. Au Nouveau-Mexique, il y a eu de nombreux crashs d'OVNI. Nous le répétons, on ne le répétera jamais assez. Et l'un de ces crashs a été transposé en Suisse par Sidney Sheldon dans ce bouquin publié aux Presses de la Cité, qui est une fiction basée sur des faits. C'est passionnant. En ce qui concerne tous ces phénomènes dont les personnes ont été témoins, notamment ici au Nouveau-Mexique, où je crois que c'est un lieu de concentration de phénomènes inhabituels, il faut certainement, comme on dit en français, séparer le grain de l'ivraie de tous ces phénomènes. Et quand on a fait ce travail, on s'aperçoit qu'il reste un substrat de phénomènes inexpliqués dans le domaine des crashs. Et depuis 1947, je crois avoir dit au cours de nos entrevues que j'ai eu entre mes mains des samples, des échantillons de matériaux. Certains des échantillons provenaient de matériaux très secrets, d'engins terriens qui étaient crachés. D'autres, par contre, on ne savait absolument pas d'où ils venaient et on ne pouvait en avoir aucune idée. Mais en fait, disons que la communauté politique et scientifique est très, très muette sur ce sujet. Et ça se comprend parce que les gens ont très peur. Les gens ont très peur de choquer l'opinion publique. Les gens ont très peur de choquer l'opinion scientifique ou religieuse, ce qui est parfois la même. Bon, Jérémy, je voudrais que tu nous parles d'un couple que tu connais bien. Avant de l'interroger, je voudrais savoir ce que tu penses de cet homme et son épouse. Ah ben écoute, c'est des gens. Disons Stewart ouais, et c'est Norma. C'est Norma et Stewart. Et c'est des gens qui m'ont été présentés il y a pratiquement un an et demi. Elle était infirmière, soignée à domicile, et lui était ingénieur électricien qui installait des lignes de haute tension dans le bled, en plus de leur ranch. C'est donc des gens très travailleurs, qui ont travaillé très dur toute leur vie, qui ont élevé des enfants du mieux qu'ils ont pu, et qui n'ont jamais été, comment dirais-je, des marginaux en quoi que ce soit. Ces gens-là respirent la santé et l'honnêteté. Bon, ça, c'était la première impression que j'ai eue. Ensuite, quand ils ont commencé à me raconter leur histoire, qui au départ était absolument invraisemblable, comment des gens qui ont vécu en plein désert, qui sont sains d'esprit, qui sont stables, pouvaient à brûle pour point me sortir une histoire avec des rencontres d'un autre type, de troisième type, pratiquement. La première chose étrange qui est arrivée a été mon observation avec mon mari et ma fille la plus âgée d'un objet en forme de cylindre qui bougeait en tournoyant autour du sommet d'une montagne appelée Twin Peaks. C'est dans les environs d'une région que nous appelons Mangus, au Nouveau-Mexique. C'est arrivé une fois avec mon mari, ma fille et moi-même. Et une fois juste avec mon mari et moi-même. Jimmy, this is the
C'est la montagne où nous avons vu cet ovni qui évoluait en tournant tout en haut de ce pic. C'était durant le jour ou la nuit ? Dans le courant de la journée. Je dirais que ce serait à peu près à cette heure-ci dans l'après-midi. Est-ce qu'il reflétait la lumière du soleil ? Ou est-ce qu'il avait ses propres lumières ? Non, il n'y avait pas de lumière dessus, c'était une sorte de couleur aluminium argenté. C'était en 1969. Pendant un hiver entier, nous avons eu cette étrange pulsation sonore qu'on entendait sans pouvoir savoir d'où cela venait. C'était comme si on était surveillé. C'était vraiment très étrange. La première fois où c'est arrivé, nous nous sommes levés. Nous nous sommes assurés que la radio n'était pas allumée, que la cafetière n'était pas branchée. On a éteint la télé qu'on essayait de regarder. Et ce son a continué à pulser. Et c'est arrivé tout au long de l'hiver. On se disait, bien, il nous surveille à nouveau. Et on n'y a plus vraiment prêté attention. En fait, comme nombre de contactés, Norma et Stewart ont été tout au long de leur vie quasiment surveillés, suivis par les extraterrestres. Stewart nous a emmenés dans leur ranch, là où justement lui et son épouse, Norma, ont vécu d'étranges aventures. En 1971-72, je regardais par la fenêtre de ma cuisine et j'ai vu cet objet pas si grand que ça. Environ 25 mètres de longueur pour à peu près 12 mètres de largeur. Juste à la limite de la fenêtre de ma cuisine. Ça a été une observation très rapide. Et la seule chose dont je me souvienne véritablement est cette magnifique couleur dorée sur le dessous. Il y a une montagne pas loin. Alors j'ai couru vers l'autre fenêtre de ma cuisine pour voir où il allait s'écraser, car j'étais certaine qu'il ne pourrait pas s'élever à temps pour passer au-dessus de la montagne. Et il n'y avait rien là-bas. Il y a une fois où ma sœur est venue nous voir. On lui a raconté pour les ovnis qu'on observait. Elle nous a dit qu'elle aimerait en voir un. Kathleen, ma plus jeune fille, lui a dit comme en plaisantant, on devrait aller dehors, c'était la nuit, il y en a un qui devrait nous passer au-dessus. Et bien sûr, il y en a un qui nous a survolé juste au-dessus des arbres, avec ses lumières allumées. Ma sœur était absolument étonnée qu'elle ait pu voir une chose pareille. Et nous, nous étions étonnés que ce soit passé comme Kathleen l'avait dit, viens dehors et on en verra un. Quand on les écoute, on est pratiquement envoûté par le récit de ces personnes. Que ce soit cette brave dame Norma, son aimable mari et ses enfants. Donc quand même, ça serait une conspiration familiale. Impensable. Et quand on voit ces personnes, il est très difficile de penser à ce genre de manipulation ou de manipulation extérieure. Donc il ne fait aucun doute qu'ils disent la vérité. Ils ont été du reste traumatisés puisqu'ils ont maintenu ça sous cap pendant au moins 15 ans. Et qu'il a fallu un énorme climat de confiance et d'affection pour qu'ils puissent... parler. Je pense qu'il est possible que Norma Pitt ait subi un enlèvement. Comme nous le savons, elle a eu cette expérience dans la chambre quand elle a dormi avec sa fille.
Je me rappelle lui avoir demandé à propos de cet incident particulier ce qui s'était passé, et elle m'a répondu qu'elle pensait s'être endormie. Et c'est plutôt un bon signe en faveur d'un enlèvement. Ma fille, je suppose, dormait sur le ventre. J'étais couchée sur le dos. C'était juste avant que je m'endorme. J'ai ouvert les yeux et j'ai vu un cercle de lumière blanche sur le plancher de la chambre. Mais cela venait à travers le toit, comme ceci. Et une voix dans ma tête m'a dit, « Si vous voulez venir, faites un pas à l'intérieur du cercle, maintenant. » J'étais très effrayée. Je ne pouvais pas savoir qui c'était ou ce que c'était. J'ai ressenti le besoin, peu importe ce que ce fut, de dire que je ne voulais pas y aller. Je ne voulais pas admettre que j'avais peur. Je voulais avoir une bonne raison. Donc j'ai dit dans ma tête, « J'ai un jeune enfant. Je ne peux pas quitter cet enfant. Je dois m'en occuper jusqu'à ce qu'il grandisse. » Après ça, j'ai fermé les yeux et je me suis réveillée le lendemain matin. Plus tard, j'ai remarqué cette tache sur ma jambe. J'ai cru que je m'étais donné un coup avec le lave-vaisselle. Finalement, je suis allée voir le docteur et on m'a dit que j'avais un mélanome de la peau. Ils ont fait un gros prélèvement sur ma jambe pour me dire après que je n'avais pas de mélanome. Ils n'ont jamais pu me dire ce que c'était. Comment vous êtes-vous rappelé votre contact? Je m'en rappelle comme un flashback. Ça commence alors que je suis très calme et que je suis à l'intérieur d'une pièce qui est ronde et d'un gris cotonneux. J'étais assise, mais je ne savais pas sur quoi j'étais assise. J'ai commencé à vraiment faire attention à la créature. Et c'était effrayant. Les yeux étaient très globuleux et très, très marron foncé, presque noir. Brillant, très perçant. Je ne me rappelle pas qu'il y ait eu un nez et la bouche était très petite, une très petite bouche. Je ne me rappelle pas non plus s'ils avaient des oreilles ou pas. Mais je me rappelle que je ne pouvais pas voir le cou, parce que le menton descendait jusque sur la poitrine. J'ai regardé et j'ai vu ses mains, ses bras, et il y avait trois doigts. Alors j'ai réalisé combien c'était différent de tout ce que j'avais pu voir, et je suis devenue alors très agitée. J'ai alors littéralement fermé mon esprit. J'ai décidé que je ne voulais pas en savoir plus. Point. Et je n'ai plus eu jamais d'autres souvenirs depuis que c'est arrivé. Vous voyez, pour tout cela, j'ai l'air de le prendre comme si c'était naturel. Je n'ai jamais eu la curiosité d'aller plus loin. Ce désintéressement de Norma paraît anormal. Nous n'avons pas voulu forcer sa volonté. Nous pensons, enfin je pense, qu'elle a été suggestionnée pour ne pas tout dire. C'est un cas là aussi fréquent sur tout ce qui touche aux abductees, aux enlevés, aux kidnappés par ces êtres. Elle ne l'a pas dit, mais il est possible d'envisager un enlèvement, sinon plusieurs. Alors nous allons retourner auprès de Roger Rémy et nous allons aborder avec lui le domaine des technologies nouvelles. Technologies nouvelles, terriennes pour l'instant,
peut-être nous permettrons, nous aussi, d'établir des contacts. Alors que jusqu'à maintenant, c'est l'inverse. Ce sont les extraterrestres qui établissent des contacts avec nous. Nous écoutons Roger Rémy. Je développe des projets très avancés. Je suis en train de mettre un projet de recherche dans le domaine de la fusion qui pourra peut-être amener à des nouveaux développements technologiques sur des explorations, ce qu'on appelle Deep Space Exploration. De faire des nouveaux designs d'engins spatiaux qui peuvent aller sur la planète Mars en très peu de temps, en quelques jours au lieu de quelques semaines ou mois. Et en collaboration avec des universités, avec des astronautes, des formés astronautes comme Jacques Schmitt qui a marché sur la Lune, peut-être développer des réacteurs à fusion qui peuvent produire de l'électricité et qui brûleront, on l'espère, de l'hélium-3. Et c'est à ce sujet... Non, de l'hélium-3. Tritium est radioactif. Ce mot hélium-3, je ne sais pas s'il est très connu du public, et c'est là-dessus que je souhaiterais, en tant que membre de l'IMSA, faire une parenthèse bien marquée. On a découvert en 1985, quand on a ramené des échantillons de la Lune, que la Lune avait un minéral appelé la régolite, et que dans cette régolite, il y avait un gaz qui était propulsé par les vents solaires depuis des billions d'années, et que ce gaz, c'est de l'hélium-3. C'est un gaz très rare sur Terre, il n'y en a peut-être en tout que quelques kilos. Ou alors il provient de la désintégration des fuels radioactifs des missiles. Donc c'est un produit très rare. Mais par contre, sur la Lune, il y a pour plus de 1 millier d'années de réserve d'hélium-3 qui peut être utilisé comme carburant pour la fusion, et laquelle fusion peut produire donc de l'énergie électrique si on arrive à allumer l'hélium-3. En tant que fusion. L'avantage, le grand avantage que le public ne connaît pas, c'est que l'hélium-3 est aneutronique, c'est-à-dire qu'il ne dégage pas de radiation. Donc il est certain que nous n'avons pas tellement le choix d'avoir des progrès très substantiels dans le domaine à la fois des matériaux et de l'efficacité des conversions énergétiques. Et qui plus est, d'avoir des énergies propres qui ne polluent pas, où il n'y a pas de déchets radioactifs. Donc quand on arrive déjà à cette progression intellectuelle, et technique, le pas est presque franchi d'ouvrir la fenêtre pour l'espace. Concernant ces techniques avancées, nous allons vous proposer un document tout à fait extraordinaire. Il a été obtenu à partir de la navette spatiale américaine, donc en plein espace. Filmé lors de la mission STS-48 de septembre 1991, cette image représente une partie du globe terrestre plongée dans l'obscurité de la nuit. Dans le coin supérieur droit de l'écran, vous voyez le ciel ou l'espace. C'est au centre de ce rond qu'apparaît l'objet en cause. Jusqu'à présent, son mouvement ne semble pas anormal. Mais vous remarquerez qu'un flash va se produire sur la gauche de l'écran. Alors l'objet va modifier brutalement sa trajectoire, ce qui implique des caractéristiques de vol impossibles à atteindre pour des engins terrestres connus. Vitesse maximale 320 000 km/h, accélération 14 000 G, c'est-à-dire 14 000 fois l'intensité de la pesanteur que nous subissons à la surface de la Terre. Sur cet agrandissement, nous verrons mieux ce changement de direction et vous remarquerez aussi un trait lumineux qui semble frôler l'objet après cette modification de cap. Donald Ratch, qui a participé à l'opération Droit de savoir, va nous conter dans quelles circonstances il a obtenu accidentellement ces images étonnantes. J'ai pu regarder cette émission parce que sur ma télé par câble, le canal 6 est celui du collège de ma ville. Et sur leur campus, ils ont une antenne satellite. Ils reçoivent les signaux de la NASA qui viennent de l'espace. Le signal est ainsi passé par la télé par câble et je l'ai enregistré avec mon magnétoscope. J'ai ainsi enregistré 12 heures d'émission. Et quand j'ai regardé celle-ci, j'ai remarqué qu'un segment appelé événement numéro 2 montrait un objet montant le long de la limite de la Terre. Celui-ci passait le long de la courbure de la Terre, et alors un flash lumineux apparaît.
L'objet réagit à ce flash lumineux comme si quelque chose lui tirait dessus. L'objet fait un tournant de 145 degrés et sa vitesse augmente de 3 fois. Et après une seconde et demie, il y a 2 lignes lumineuses qui sont lancées depuis la Terre vers l'objet, comme si on lui tirait dessus. Qu'a dit la NASA ? Je me suis tourné vers mon député et lui ai envoyé une copie du film. Elle a alors transmis à la NASA. Ils ont envoyé une réponse dans laquelle ils maintenaient que l'objet était un débris et que ce débris n'était à quelques trentaines de centimètres de la caméra. J'ai alors envoyé le film à Richard Hoagland, qui avait fait des études sur les monuments de Mars. Lui et un docteur en physique ont analysé le film et sont arrivés à la conclusion que l'objet n'était pas à quelques mètres, mais à 2800 km de la caméra. Vous remarquerez que la NASA a parlé de débris de glace. De glace, pas de glace à la vanille, bien sûr, ni de glace de morceaux de miroir, non, mais d'une glace qui se forme autour de la navette. Donc la NASA authentifie, s'il s'agissait de glace, authentifie le film comme étant pris effectivement depuis une navette spatiale. Ça, c'est très important. Mais la manière, la vitesse dont le déplacement de cet engin, tout ça, est quelque chose de tout à fait bizarre, insolite, qui ne correspond pas avec notre technologie. Alors peut-on invoquer une origine extraterrestre pour cet objet? Pourquoi pas? Mais alors pourquoi ces flashs, ces tirs, soi-disant laser? D'après Roger Rémy, il pourrait s'agir d'une nouvelle technologie mise en œuvre par l'Air Force. Bon, nous savons que l'Air Force travaille sur des projets extraordinaires. Voici un document émanant de la NASA. Oh, nous ne l'avons pas volé, nous ne l'avons pas dérobé. C'est un document qui est disponible. Et il fait état de choses tout à fait étonnantes dans le domaine de la technologie. Sur ce document, il est question, par exemple, de projets de véhicules spatiaux utilisant la fusion, et cette fusion amorcée par les tirs laser. L'important dans le film de la navette spatiale, c'est qu'il y a une anomalie qui est gênante. Cet objet, à l'évidence, n'est pas touché par les tirs, les faisceaux laser ou autres. Est-ce qu'il ne s'agirait pas d'une technologie mixte, élaborée avec le concours des extraterrestres? Mais précisons que ces recherches de pointe, selon Roger Rémy, qui est quand même placé pour le savoir parce qu'il fait partie de ces chercheurs de pointe, peut avoir une seule origine terrestre. Il a peut-être raison. Peut-être que des chercheurs d'aujourd'hui, des chercheurs d'avant-garde, ont réalisé ce que nos visiteurs ont accompli et se sont dit « mais pourquoi pas nous ?» et qu'ils se sont lancés dans cette voie. Et Roger fait partie de ces chercheurs de pointe qui vont peut-être nous ouvrir les clés du cosmos. Donc aujourd'hui, nous arrivons à cette limite de d'éclosion. Nous allons peut-être, comme on dit en anglais, avoir un blooming effect, fleurir, un nouvel âge où, enfin, je l'espère, les gens vont comprendre les intérêts de poursuivre des recherches très avancées. Et c'est là peut-être où on se rapproche avec d'autres entités qui ont vaincu ce procédé, ont survécu à ces procédés, ont appris à maîtriser ces technologies. Et donc nous sommes peut-être à la veille d'un bouleversement à la fois énergétique, économique et social et aussi intellectuel. Cette incursion aux États-Unis nous a démontré, si besoin était, que les Américains sont probablement plus que nous ouverts à ce domaine extraordinaire de ces visiteurs qui viennent, des visiteurs de divers horizons. Tous les ufologues ayant l'esprit ouvert et dignes de ce nom savent qu'il s'agit de gens, entre guillemets, venus d'ailleurs. Mais cela peut s'admettre aujourd'hui, parce que nous avons quand même derrière nous un background technologique, un passé technologique. Mais reportons-nous juste après la libération, il y a donc 50 ans, aux États-Unis, dans la région de Los Alamos, dans un peu plus le sud, n'est-ce pas, où s'installent des
rampe de lancement de fusée. Vous vous rappelez ces premières fusées, les War Corporal, qui ressemblaient à un petit crayon à billes comme ça, où elles n'allaient pas très haut, puis elles retombaient. Ça se passait au Nouveau-Mexique, où ont eu lieu les crashs d'OVNI, où se trouvent des bases souterraines de gris. Et les Américains se sont aperçus que les Indiens, et notamment dans les pueblos, les villages, regardaient monter ça dans le ciel et puis continuaient leurs occupations. Alors, ils leur ont posé la question, mais vous n'êtes pas surpris par ces choses-là? Parce qu'entre nous, les Américains, quand ils voyaient décoller ça, bah, s'ils n'étaient pas rocketeers, c'est-à-dire les techniciens des fusées, ils avaient tendance, les témoins, à rentrer la tête dans les épaules. Et les Indiens ont dit, non, non, pas du tout. Nous, ça ne nous étonne pas. On leur dit, mais pourquoi ça ne vous étonne pas? Parce que nous savions, nous, peuple des nations indiennes, nous savions que l'ère de lumière, l'ère de l'avenir, prendra naissance ici, chez nous. L'ère de la lumière, c'est un âge nouveau qui s'annonce pour notre planète. Est-ce que nous mériterons nous aussi la lumière, ou est-ce que nous commettrons l'erreur de la transformer en Nova? Et ce pourrait être alors la fin de notre monde. Mais ne soyons pas pessimistes. Les portes du futur, si c'est ainsi que nous appelons notre collection, vous réservent d'autres surprises, probablement moins dramatiques. À bientôt.